Mesdames, mademoiselles et messieurs, bonsoir. Nabilaï Camara, depuis Bruxelles. Voilà, nous sommes lundi, je crois, 19 septembre, si je ne me trompe pas. Effectivement, 19 septembre 2022, chers compatriotes guinéens. Très bien. Alors, je l'annonçais, j'ai donc un thème d'information. C'est important. Alors, effectivement, des thèmes d'information, chers compatriotes guinéens. Alors, bon voilà. D'abord, il est question de ce procès du 28 septembre, procès sur le massacre du 28 septembre, n'est-ce pas? Alors, nous apprenons que ce procès, effectivement, aura lieu ce mois-ci, pendant ce mois-ci, le 28 septembre prochain, n'est-ce pas, cher Contoguinien? Alors, procès, disons, sur le massacre du 28 septembre, sous la responsabilité de Mari Doumbouya, c'est un procès de simulacre, n'est-ce pas? Je vais détailler tout à l'heure, cher Comte Guinéen. Ensuite, deuxième élément, en fait, j'ai aussi, disons, c'est un appel que je lance à Alpha Condé. J'en avais déjà fait, disons, pendant, en fait, un direct précédent, cher Comte Guinéen, l'appel que je lance à Alpha Condé. Alpha Condé, en fait, ne répondait pas aux injonctions, en fait, de la junte militaire dirigée par Mari Doumbouya, n'est-ce pas? Ne répondait pas aux injonctions de la justice, en fait, commandée par Mari Doumbouya, n'est-ce pas? Ça aussi, je vais le détailler, cher Comte Guinéen. Enfin, en fait, il est question de Charles Wright. Charles Wright, disons, continue sa descente aux enfers, cher Comte Guinéen. Cet homme est ridicule, c'est un vrai maboule, n'est-ce pas? Alors, c'est fini pour lui. Très bien, cher Comte Guinéen. Donc, c'est des éléments que je vais tout à l'heure détailler, cher Comte Guinéen. Mais avant cela, j'ai cette information, en fait, sur ce dernier dialogue qui est l'idée de l'UFDG. Aussi d'autres informations sur Ousmane Gawal Diallo. Alors, nous apprenons, c'est dans un dialogue qui est en tournée en Europe, vous comprenez, en tournée, en fait, cherchant des contacts effectivement avec ses militants, avec tous les Guinéens, tous les démocrates, vous comprenez, pour effectivement expliquer la situation, en fait, non seulement du parti, mais aussi, disons, du pays, la transition, chez le groupe de Guinéens. Alors, c'est dans le dialogue, a profité l'occasion pour effectivement dire que, écoutez, je cite, Alpha Condé, en fait, n'est plus un adversaire, le RPG non plus. Fin de citation. C'est ce dernier dialogue qui le dit, c'est super important. Et franchement, je suis très content d'entendre, en fait, ce discours de la part de ce dernier dialogue, et parce que c'est la vérité. Alpha Condé n'est plus, en fait, disons, l'adversaire de l'UFDG, de Cédric Diallo, hein, ni le RPG. Hein, l'adversaire maintenant, qui ne devrait pas être, mais maintenant, c'est bien Mamadou Doumbouya, c'est la junte militaire. L'adversaire de l'UFDG, de Cédric Diallo, c'est Mamadou Doumbouya. L'adversaire, c'est la junte militaire. Les chers compatriotes guinéens, oui. Parce que, écoutez, c'est normal, l'UFDG, c'est un parti politique, c'est une formation politique. N'est-ce pas? C'est pour arriver au pouvoir. Arriver au pouvoir qui a un programme politique comme tant d'autres partis politiques qui, en fait, ont des programmes politiques et qui doivent passer par les élections, par les urnes, une fois au pouvoir, essayer, en fait, de concrétiser le programme politique. L'UFDG, c'est pour arriver au pouvoir. N'est-ce pas? C'est cela, chers compatriotes guinéens. Alors, si maintenant, nous avons notre transition, une transition qui était censée, effectivement, essayez, s'il faut dire, d'éclaircir, s'il faut, les choses, de nous permettre d'avoir de véritables structures politiques, structures à travers lesquelles également les élections ou le retour à l'ordre constitutionnel est donc est posé, n'est-ce pas, structures politiques à travers lesquelles les élections libres et transparentes également sont en fait possibles, n'est-ce pas? C'est cela, la transition. Alors, mais malheureusement, cette transition, vous l'avez remarqué, cette transition, ce n'est plus le cas. On a une transition, on a une junte au pouvoir qui est comme un parti politique. N'est-ce pas? Là, ça ne se cache pas. Écoutez, c'est très clair. Ça ne se cache pas, je vous le dis. Très bien, c'est une junte militaire qui veut se maintenir au pouvoir. Mamadou Doumbouya veut se maintenir au pouvoir. C'est clair et net. N'est-ce pas? Et à partir de là, quand maintenant nous constatons, et c'est une vérité, Mamadou Doumbouya veut, il y a tout, en fait, tous les éléments sont placés prouvant cela, qu'il veut se maintenir au pouvoir, n'est-ce pas? Alors en ce moment, il devient un adversaire des partis politiques.
surtout les partis de l'opposition, ils deviennent adversaires de Sédane Diallo, ils deviennent adversaires effectivement de l'UFDG, parce qu'ils veulent garder le pouvoir. Une transition qui était censée effectivement de responsabiliser les différentes institutions de la République, les différents appareils de l'État, n'est-ce pas, pour permettre également, l'établissement de véritables structures politiques. C'est ça la transition politique. C'est ça la transition de Mamadou Doumbouya. Mais ce n'est plus le cas, vous l'avez remarqué. Ce n'est plus le cas. On a un pouvoir qui se comporte maintenant, effectivement, comme un parti politique, qui veut garder le pouvoir. Et Sédane Diallo veut le pouvoir. L'UFDG veut le pouvoir. L'UFL veut le pouvoir. Tous les partis politiques veulent, en fait, le pouvoir. Et on a une junte qui veut le pouvoir. Dans ce moment, en ce moment, logiquement, la junte militaire devient l'adversaire de l'UFDG, l'adversaire de Sédane Diallo, l'adversaire de Sidya Touré, l'adversaire de UFR. C'est clair. C'est logique. N'est-ce pas? Je félicite donc, disons, Sédane Diallo. Alpha Condé n'est pas l'adversaire. Alpha Condé n'est plus au pouvoir. Le RPG n'est pas l'adversaire. Le RPG n'est plus au pouvoir. C'est clair, il n'est seul comme guinéen. N'est-ce pas? Très bien. Alors, ça, c'était en fait ce point sur Sédane Diallo. Je le remercie. Je partage en fait son jugement. Alpha Condé n'est plus l'adversaire. Alpha Condé, le RPG, n'est plus l'adversaire, cher Comte Guinéen. Ensuite, il y a donc dans cette partie introductive, je vais parler de Ousmane Gawal Diallo, brièvement. Alors, vous l'avez compris, et quand je dis par exemple que Mamadou Doumbouya, la junte militaire, est l'adversaire maintenant en fait de l'UFDG, mais écoutez, il y a un élément clair qui est là, une preuve. On a Ousmane Gawal Diallo qui est ministre, il est ministre de cette junte militaire, il est aussi porte-parole, disons, du gouvernement de la junte de cette transition militaire, n'est-ce pas? Il est capable maintenant de dire que l'UFDG n'a rien à offrir aux Guinéens. Une transition censée d'être neutre, totalement neutre, au-dessus de la mêlée. Maintenant, on a Ousmane Gawal Diallo, porte-parole du gouvernement de la transition, qui, en fait, fait des pics à l'égard ou contre l'UFDG, que l'UFDG n'a absolument rien à offrir, en fait, aux Guinéens. N'est-ce pas, cher Comte Guinéen? C'est quand même incroyable, parce que Ousmane Gawal Diallo, pendant 11 ans, s'il vous plaît, bah, écoutez, je ne vais pas retarder beaucoup sur, m'attarder sur cet homme-là, ce lâche, n'est-ce pas, ce traître, Ousmane Gawal Diallo. Pendant 11 ans, s'il vous plaît, ou plus de 11 ans, il est dans l'UFDG, n'est-ce pas, chantant par-ci, par-là, que l'UFDG, effectivement, est un parti politique capable, qui a des hommes, qui a effectivement des cadres capables, effectivement, de faire bouger la Guinée. Plus de 11 ans, Ousmane Gawal Diallo chante cela. Vous comprenez? Alors, maintenant, il est au pouvoir, il est avec la junte militaire. Une année après, vous comparez 11 ans, plus de 11 ans, il chantait que l'UFDG est la seule formation politique capable, effectivement, d'offrir, en fait, de véritables éléments de développement à la Guinée, possibilités, opportunités à la Guinée, aux Guinéens. Alors, une année seulement au pouvoir avec la junte militaire, Ousmane Gawal Diallo dit que l'UFDG n'a rien à offrir aux Guinéens, chers comptes guinéens. N'est-ce pas? Alors, ici, c'est très clair. Donc, vous pouvez le savoir, il y a la haine, il y a la rancune, cet homme-là. Alors, je vais vous dire, là, dans cette, si vous prenez la junte militaire, tous ces gens qui sont dans Mamadou Doumbouya et tout consort, le seul aujourd'hui, le seul qui veut, coûte que Mamadou Doumbouya se maintienne au pouvoir, à vie, totalement à vie, c'est Ousmane Gawal Diallo. Parce qu'il ne veut pas. Il ne veut pas les élections libres et transparentes. Il ne veut pas la fin de la transition. Parce que les élections libres et transparentes, ça signifie quoi? Sédane Diallo est proche. Je ne donne pas une sentence, mais si nous regardons le poids électoral de l'UFDG, et les antécédents, en fait, électoraux en Guinée, présidentiels ou, en fait, les élections législatives, c'est un monsieur qui est capable de rafler tout. Ousmane Gawal Diallo ne peut pas accepter cela. Voilà, il a des discours maintenant irrationnels. Il ne va jamais raisonner. Il ne va jamais raisonner, cet homme-là. Très bien, j'en parle, cher Comte Guinéen. Alors, je viens sur mes trois éléments.
Il est question donc du procès du 28 septembre, n'est-ce pas? Le procès sur le massacre du 28 septembre. Alors, nous apprenons, je ne sais pas si c'est à confirmer ou non, mais j'apprends que pendant ce mois-là, le 28 septembre prochain, alors il y aura un procès, donc ce procès va commencer, débuter, sur le massacre du 28 septembre, n'est-ce pas? Alors, sur le fond, ça ne m'intéresse pas, mais la forme, cher compatriote guinéen, la forme. Mais je le disais l'autre fois dans un autre direct que un assassin ne peut pas juger un assassin. Jamais. Un assassin ne peut pas mettre la lumière, n'est-ce pas, ou responsabiliser, en fait, un procès censé, effectivement, de trouver des assassins. Jamais. N'est-ce pas? Le 28 septembre 2009, pendant le régime de Dadis Camara, c'est quoi? On a des militaires qui sont partis au stade du 28 septembre, ils ont tiré sur des citoyens comme des oiseaux, comme des chiens. Même les chiens, on ne le fait pas. N'est-ce pas? C'était cela. On a tué les manifestants. Plus de 100, des centaines de gens tués. Et voilà pourquoi on dit, il faut en fait que ce procès en fait, ait lieu. C'est cela. Alors, mais écoutez, Mamadou Doumbouya, il est au pouvoir. Il a tué les manifestants. Il continue à tuer les manifestants. Les balles arrière sont tirées sur les manifestants. Cet homme qui nous dit que désormais la justice sera la boussole pour tous les Guinéens. Comment, s'il vous plaît, si nous ne sommes pas, la Guinée n'est pas, je le disais l'autre fois, le lieu où tous les inintelligents de l'Afrique en fait se retrouvent. Mamadou Doumbouya ne peut en aucun cas, lui, engager donc ce procès. Pour que la lumière, en fait, soit faite sur ce procès. Ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui. On me dit, non, bon, écoutez, certains me disent, bon, écoutez, non, écoutez, d'abord, il faut, en fait, assurer ce procès. Une fois que c'est fini, alors on verra d'autres procès sur Alpha Condé, et ensuite, on reviendra sur Mamadou Doumbouya. Mais, écoutez, comment vous pensez? Vous ne pensez pas par la tête, c'est vrai. Mamadou Doumbouya veut se maintenir au pouvoir. Il veut se maintenir au pouvoir. Il ne veut pas quitter. C'est-à-dire jusqu'à la fin de sa vie, c'est cela. C'est le but. Vous ne comprenez pas que cet homme parle de Sékou Touré, ça ne vous dit absolument rien. Vous voulez des surprises? Parce qu'après, c'est pour nous dire que, écoutez, les élections, on n'en veut pas. Hein? Les élections, on n'en veut pas. C'est ce qui crée des problèmes en Guinée. Autant de Sékou Touré, ils vous diront autant de Sékou Touré, mais c'était quoi? Tout était déjà programmé. Il y a un seul candidat, Sékou Touré. N'est-ce pas? S'il y a un seul candidat, il n'y a pas de problème. Ils vous le diront. Vous serez surpris. Saran Darba, en fait, est bien sûr cette femme, en fait, qui a cette idée-là et elle conseille, elle est à la présidente, elle conseille Mamadou Doumbouya. N'est-ce pas? Alors, on a Mamadou Doumbouya qui veut se maintenir au pouvoir à vie. Alors, vous nous dites, vous êtes en train de dire que, écoutez, on va essayer d'abord de régler, assurer le procès sur le massacre du 28 septembre. Ensuite, Alpha Condé aussi, son cas arrivera. Et ensuite, Mamadou Doumbouya. Mais est-ce que vous passez par la tête? N'est-ce pas? Cet homme ne va jamais assurer ce procès dont on parle. N'est-ce pas? C'est un simulacre de procès. Rien. D'abord, c'est pour retarder la transition, parce qu'ils ne veulent pas, on ne sait même pas, en fait, une détermination ou, disons, en fait, je veux dire, le temps de la transition. Nous ne le savons pas. C'est un simulacre de procès, s'il vous plaît. De la même manière, j'ai dit que la Guinée ne peut pas organiser, disons, la Coupe d'Afrique des Nations de football, n'est-ce pas? C'est de la même manière, je vous dis que Mamadou Doumbouya, lui, il n'est pas autre personne, mais lui, maintenant, cette junte militaire ne doit pas organiser, en fait, ce procès. Jamais. Les preuves concernant la Coupe d'Afrique des Nations, c'est clair. Les preuves étaient là, matérielles. Matériellement, nous sommes absents. On ne peut pas, on n'a absolument rien. La Guinée ne peut pas, ni en 2025, ni en 2030, ni en 2040. Je dis qu'on ne peut pas organiser maintenant, je vous dis sérieusement. Parce que organiser cet événement footballistique, vous comprenez, écoutez, et il y a la préparation matérielle, bien sûr, mais et la préparation politique. Et là, nous sommes nuls partout. Vous comprenez? Et de la même façon, je vous dis, Mamadou Doumbouya a organisé ce procès. Non,
parce qu'il est assassin. Son régime, donc la junte militaire, assassine, continue à tuer, sans jugement, sans enquête, absolument rien. Je ne dis pas que le procès n'aura pas lieu, mais écoutez, ce procès doit avoir lieu après la transition. Une fois que nous sommes dans la Guinée rationnelle, c'est-à-dire après la transition, vous comprenez, et là, nous sommes rassurés d'avoir en fait les structures politiques solides en place, les institutions responsabilisées, on a une justice responsable. Pensez-vous que la justice maintenant est responsable? Voyez-vous comment Charles Wright a perdu la tête, comment on le malmène? Vous comprenez? Ces gens-là qui vont en fait essayer de juger cette affaire-là. Mais où allez-vous? Donc, dans la Guinée rationnelle, après la transition, une fois que nous avons tous les juges, en fait, responsabilisés, nous avons les trois pouvoirs totalement, en fait, indépendants l'un de l'autre, ça c'est important, vous comprenez, on a un pouvoir civil, n'est-ce pas? Donc, un pouvoir civil, un président civil arrivé démocratiquement au pouvoir à travers des élections libres et transparentes, n'est-ce pas? À partir de là, et dans une assemblée nationale avec les députés élus, vous comprenez, à travers des élections libres et transparentes, ça se décidera là-bas dans l'Assemblée nationale. N'est-ce pas? Il faut le procès du 28 septembre, sur le massacre du 28 septembre. Quand? Comment? Pendant ou, en fait, dans l'Assemblée nationale, les députés en ce moment qui le décideront, chers comptoirs guinéens. Maintenant, non, c'est un simulacre, je vous le dis. C'est un procès de simulacre. Juste pour nous tromper. Ça ne va jamais finir. Parce qu'on a dit que Mouya fera tout pour se couvrir. Il veut le pouvoir. Et c'est une autre manière de dire, bon, que, donc, parce qu'actuellement, il y a une plainte qui le poursuit, Mamadou Doumbouya, en France, vous le savez. Alors, on peut même comprendre combien de fois, d'ailleurs, cela est en train de, en fait, de mettre Charles Wright, dans tous les sens, c'est vrai, il ne se retrouve plus. Alors, ne l'oubliez pas. Alors, Mamadou Doumbouya va essayer, à travers, ce procès sera comme une sorte de tremplin pour lui, vers, en fait, la conservation du pouvoir. Vous comprenez? Alors, dire à la communauté internationale, bon, écoutez, vous voyez, moi, je suis un homme juste. Je dis que la justice est la boussole pour tous les Guinéens. Voyez-vous, je suis en train d'organiser ce procès que Alpha Condé, pendant 11 ans, a refusé. C'est ce que Mamadou Doumbouya cherche. Mais écoutez, c'est un procès qui ne va jamais se terminer. Et c'est pourquoi, je dis tout simplement, à tous ces gens qui sont en fait concernés dans cette affaire de procès, alors en principe, vous ne devez même pas accepter les avocats en question. Il faut tenir compte de cela. Mamadou Doumbouya, la junte militaire actuelle, n'est pas habilitée, n'est-ce pas, n'a pas la crédibilité pour effectivement assurer ce procès. Jamais. Jamais, cher Contoguinien. Alors, je passe également à un autre élément. Alors, là, il est question d'Alpha Condé. Alors là, je demande Alpha Condé, je l'avais fait antérieurement, c'est un appel que je lance à Alpha Condé. Alpha Condé, c'est un peu lié au sujet en fait précédent. Alpha Condé, je dis, il ne doit en aucun cas répondre aux injections de la junte militaire. La junte militaire veut que Alpha Condé rentre maintenant. Mais rentrer pour quoi faire? Rester dans une villa là-bas tranquille? On dit chaque fois il est malade et quelques temps après il va retourner encore en Turquie? C'est cela? C'est quoi cela? Alors moi je dis à Alpha Condé. Alors Alpha Condé, j'ai toujours dit que vous n'êtes pas intelligent. C'est vrai? Mais écoutez, vous n'êtes pas bête, c'est vrai. Vous ne pouvez pas rentrer en Guinée. Et parce que cette junte militaire veut que, en fait, vous rentrez, vous ne devez pas rentrer. Ce sont des assassins. Et ils ont tué comme vous l'avez fait quand vous étiez au pouvoir. Allez-vous accepter que ces gens-là vous jugent, les assassins? Allez-vous accepter, Alpha Condé, que ces gens-là vous jugent? D'abord, je sais que Mamadou Doumbouya ne le fera pas. N'est-ce pas? Mais écoutez, toujours pour tromper en fait la communauté internationale, n'est-ce pas? On dit Alpha Condé venez, on doit vous juger. On entend Charles Wright, Alpha Condé doit être poursuivi pour ses crimes en fait de sang. Écoutez, tout ça, Alpha Condé, vous ne rentrez pas. Vous ne rentrez pas, pourquoi? Parce que vous vous dites, écoutez, vous qui êtes venu au pouvoir, vous m'avez enlevé, n'est-ce pas? C'était pourquoi? Parce que vous aviez pensé que je faisais mal le travail. N'est-ce pas? La malgouvernance, que je n'ai absolument rien fait. Pour ça, il y a eu coup d'état militaire. Alors, mais écoutez, je ne comprends pas. Vous venez au pouvoir, vous ne faites absolument rien dans ce sens-là et vous continuez à vous massacrer aussi. Alpha Condé, pour ces raisons-là, vous ne devez pas rentrer. Alpha Condé, moi, je vous ai critiqué tout le temps que vous avez fait au pouvoir. Tout le temps. N'est-ce pas? Mais aujourd'hui, je vous le dis clairement.
Vous ne devez pas rentrer. Il y aura la Guinée rationnelle après la transition. Cette transition qui sera sauvée pas par Mamadou Doumbouya. Il y aura une autre transition, c'est clair, parce que Mamadou Doumbouya sera terrassé. Il y aura d'autres militaires. Après cela, on aura le cas de Djibo Rigère. Après cela, nous sommes dans la qu'on appelle la stabilité politique et sociale. Alpha Condé, vous n'aurez pas de crainte. Vous avez vos avocats et vous rentrez en Guinée comme suspect et non comme un coupable. N'est-ce pas, cher Koutou Guinéen? Alors, c'est sur l'Alpha Condé. Vous ne rentrez pas. Ne rentrez jamais. Vous êtes là, restez là. Voilà, cher Koutou Guinéen. Ça, c'était pour Alpha Condé. Très bien. Alors, le dernier élément, c'est à propos de Charles Wright. Alors, vous avez écouté Charles Wright, cher Koutou Guinéen. J'ai lu, il y a un article, j'ai lu sur le site d'information Le Révélateur, voilà, de... Alors, on dit, c'est à propos de ce meurtre, meurtre d'un jeune à Kipé, Charles Wright engage, c'est un titre, Charles Wright engage des poursuites judiciaires contre Alpha Kabiné Kaba, commandant de police, chef des opérations adjoint de l'Office central antidrogue. N'est-ce pas? Je vais lire un peu l'article du Révélateur. On dit en application, le communiqué, en application des dispositions de l'article 37 du Code de procédure pénale, alors il vous est enjoint par la présente, c'est le ministre de la Justice qui s'adresse également en fait au procureur. Il dit en application des dispositions de l'article 37 du Code de procédure pénale, alors il vous est enjoint par la présente versée au dossier de la procédure d'engager des poursuites judiciaires sans délai pour des faits présumés d'homicide volontaire par arme à feu contre Alpha Kabiné Kaba, commandant de police, chef des opérations adjoint de l'Office central antidrogue, et complicité d'homicide volontaire par arme à feu contre adjoint-chef Suleiman Kourouma, brigadier-chef Albert Camara, brigadier-chef Mohamed Lamine Camara, brigadier-chef Sekou Diawara, brigadier Ali Cissé, brigadier Malik Camara, brigadier Mamadi Yoro Bari, brigadier Youssouf Diallo, brigadier Ali Silla, brigadier Ousmane Omar Soumaoro. On dit en effet, dans la matinée du 7 2022, il a été porté à la connaissance du garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, que le nommé Alpha Kabiné Kaba, commandant de police, chef des opérations adjoint en fait de l'Office central antidrogue, à la tête d'une mission de patrouille de lutte antidrogue, a fait usage d'une arme à feu, MAC, PMAC, PMAC, atteignant mortellement Abdoulaye Diallo, marchand, disons, âgé d'une trentaine d'années, domicilié au quartier Kipé, commune de Ratoma, qui avait été aussitôt admis en urgence par des soins intensifs à l'hôpital sino-guinéen. La même source indique que la victime reçue par Dr Ousmane Souriba Sylla dans un état critique a rendu l'âme à 16h58 par suite d'hémorragie, en dépit des mesures médicales d'urgence prises pour tenter de sauver sa vie. N'est-ce pas? Très bien. Alors, regardez, on dit en outre, je lis l'article donc du Révélateur, en outre, il résulte des faits dénoncés que le présumé auteur Alpha Kabiné Kaba était en compagnie, en fait, des nommés adjoints-chefs Suleiman Kourouma, Albert Camara, brigadier-chef Tantan, etc., etc. Voilà. Alors, il y a un passage qui m'intéresse beaucoup, alors que le jeune, la victime donc abattue par ces gens, alors qu'il n'y avait pas un scénario de légitime, n'est-ce pas? C'est-à-dire que la victime serait, par exemple, en possession d'une arme, par exemple, à feu, alors que les militaires se seraient retrouvés dans une situation de légitime de défense, qu'ils auraient poussé à tirer. Ce n'est pas le cas. Et là, Charles Wright mentionne cela. Vous savez pourquoi il parle ça? Il parle de légitime défense. Donc, ce cas de ce jeune commerçant, un marchand ambulant, Abdoulaye Diallo, tué. Alors, il précise qu'il n'y avait pas un cas de légitime défense. Donc, en aucun cas, les militaires pouvaient, en fait, faire usage de leurs armes. N'est-ce pas? Très bien. Alors, mais ce qui m'étonne, le mois dernier, ce qui s'est passé, ça, c'est la semaine dernière, mais le mois dernier, il y a eu 5 personnes tuées à Bambeto par les militaires. N'est-ce pas? Alors là, Charles Wright n'a pas branché mot, un seul mot, pour condamner l'assassinat barbare de ces 5 citoyens, je crois même plus, et à plus faire raison parler des enquêtes. Non. N'est-ce pas? Alors, mais en lisant ce communiqué, après la mort de Abdoulaye Diallo, on parle d'une situation où, en fait, il est impossible de parler de légitime défense. Donc, les militaires n'ont pas raison. Alors, si Charles Wright n'a pas parlé également le mois dernier, il n'a pas condamné, ni essayé de donner un ton pour une enquête concernant ces cas-là,
C'est parce qu'ils pensent que là, il y avait un cas où c'était les militaires en question qui avaient tiré, tué ces 5 personnes. Ils étaient dans une situation de légitime défense. Vous comprenez cela? Parce que dans le communiqué, ça se répète plusieurs fois. Légitime défense. Légitime défense. Donc, à Bambeto, il y avait, disons, les militaires étaient dans une situation de légitime défense. C'est-à-dire que les manifestants, les jeunes, en fait, possédaient des armes à feu. C'est vrai cela? Du maçon, cher Rodaguien. Du maçon. Hein? Parce que moi, je me dis, depuis longtemps, depuis le temps d'Alpha Condé jusqu'à maintenant, on dit que les manifestants sont armés, mais jamais on n'a entendu un jour, parce que c'était l'occasion pour eux, alors ils ont pris un manifestant avec une arme. Amen. On ne l'a jamais montré à la télévision guinéenne. L'avez-vous vu? Jamais. Ils n'ont jamais dit qu'un militaire, un policier a été abattu, nous montrer les balles. Ils ne l'ont jamais dit. Nous connaissons des cas où, effectivement, les policiers ont reçu, en fait, disons, des jets de cailloux. Ont été cherchés par les cailloux. On a même vu où certains militaires ont été pris, à un moment donné. N'est-ce pas? Mais, des armes à feu. N'est-ce pas? Une situation dans laquelle ces militaires qui avaient tiré sur ces jeunes-là se trouvaient dans une situation de légitime défense. Et c'est faux, c'est pas vrai. Ils avaient tous les moyens. Tous les moyens, à tout moment, ils ont les moyens d'arrêter les citoyens là, au lieu de les tuer, les arrêter et les traduire devant les juges. N'est-ce pas? Ils ne l'ont pas fait. Et là, vous le savez pourquoi? C'est très simple. Ils sont à Bambeto et ils sont en face, en fait, à l'ethnie Peul. Il faut massacrer, il faut tuer. Parce qu'ils se disent, mais écoutez, vous n'êtes pas les seuls ici, vous. Hein? Il faut les tuer. La haine, la méchanceté, c'est cela. C'est comme de Guinée. Alors, Charles Wright, qui ne chauffe pas la tête, c'est vrai. Alors, il y a eu 5 morts antérieurement le mois dernier. Il n'a absolument rien dit, ministre de la Justice. Vous comprenez? Maintenant, la semaine dernière, il y a un citoyen tué. Et puis voilà, on voit les noms finalement par-ci, par-là, le nom des sergents, brigadiers, je ne sais pas quoi. C'est bizarre, n'est-ce pas? Et là, nous comprenons. Parce que, écoutez, il y a une plainte qui est portée contre Mamadou Doumbouya, contre la junte militaire, contre la Guinée. Et on parle tout simplement de la non-crédibilité de la justice guinéenne pour mener des enquêtes fiables. Ça, c'est dit. Charles Wright a appris cela. Et tout de suite, il bondit sur l'occasion. Ah, écoutez, bon voilà, nous faisons l'enquête, les militaires sont arrêtés. Charles Wright, vous trompez qui? Il y a 2-3 mois, je me rappelle, la première victime, disons, de Mamadou Doumbouya, un jeune aussi élève qui a été tué, vous vous rappelez, un jeune élève. Et Charles Wright s'est levé, en ce moment il était procureur, il n'était pas ministre, il s'est levé des enquêtes, n'est-ce pas? Il a été chaud, les enquêtes, certains militaires ont été arrêtés, n'est-ce pas? On était content. Moi, de toute façon, j'étais content. Il dit, ah, pour la première fois, on a un procureur qui s'élève, qui mène les enquêtes et les policiers sont arrêtés. Mais où sont ces policiers? Où est ce cas-là? Ils sont arrêtés, mais depuis quand? On n'en parle plus. Où sont-ils? Vous les gardez jusque maintenant, ils sont suspects, vous ne les jugez pas. Où sont-ils? On n'en parlera plus. C'est comme ça, cher Comte-Guinéen. Alors, ne croyez pas en cette junte militaire. Ce sont des barbares. Charles Wright, je ne sais pas comment, il a perdu la tête. Cet homme a perdu la tête. Je me disais, quand il était procureur, c'était bien pour lui, il était un peu, en fait, libre. Maintenant, il est ministre de la Justice, mais c'est fini. C'est de la politique. Là, il est en fait totalement commandé par Mamadou Doumbouya. Vous faites ceci, vous faites cela. Ne faites pas ceci, ne faites pas cela. N'est-ce pas, Chakoum Doguinien? Voilà, donc c'était tout pour ce soir. Pour terminer là, vous le savez, j'ai dit tout simplement aux compatriotes, aux patriotes plutôt, aux chers compatriotes dans l'armée guinéenne, vous êtes nombreux, vous êtes des jeunes militaires, vous êtes bien formés, n'est-ce pas? Alors, tout ce que je viens de citer, n'est-ce pas? C'est une argumentation pour vous. Une argumentation pour prouver, n'est-ce pas? Pour argumenter votre putsch militaire contre Mamadou Doumbouya. Quand vous le ferez tomber, vous avez, je ne sais pas, une pile de pages d'argumentation pour prouver qu'il fallait ce coup d'état militaire. Il fallait coup d'état militaire contre Mamadou Doumbouya. Vous ne perdez pas. Vous serez tout simplement des héros. Mais ça ne fait que s'empiler, hein? Mamadou Doumbouya ne fait que commettre des fautes. Il y en a plein.
plaie, grave même maintenant. L'occasion donc pour vous, chers compatriotes ou patrons de l'armée guinéenne, vous êtes nombreux, et disons, vous préparez effectivement, vous préparez pour effectivement l'assaut final. On m'a dit que Doumbouya doit tomber. On veut une autre transition avec un véritable militaire, un militaire à la carrure de Gbagbo au Niger, capable donc de rassembler les Guinéens pour l'avènement d'une véritable démocratie en Guinée. C'était Nabil et camarades de Publicel. Merci pour l'écoute. Bonne soirée.